Bonjour et bienvenue à vous tous réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Celles et Lumières. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Il me fait plaisir aussi de vous présenter le Père Lawrence d'Almeida, religieux de Sainte-Croix, qui arrive pour faire partie, aussi, lui aussi, de notre équipe pastorale. Bienvenue, Père d'Almeida. Welcome. La parole de Dieu nous invite ce matin à vivre en fils et filles de la lumière. Malgré les difficultés que nous avons à demeurer toujours dans la lumière de la vérité, de la foi et du pardon, tournons-nous vers le Seigneur de miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui éclaires toute personne sur le chemin de la vie, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es la lumière du monde, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui donnes la lumière de la vie éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ, il nous a aimés et s'est livré pour nous, en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. Comme il convient à des membres du peuple saint, la débauche, l'impureté sous toutes ses formes, et l'appétit de jouissance sont des choses qu'on ne doit même plus évoquer chez vous. Pas davantage de propos grossiers, stupides et scabreux, tout cela est déplacé, mais plutôt des actions de grâce. Sachez-le bien, ni les débauchés, ni les dépravés, ni les jouisseurs ne reçoivent l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Ne laissez personne vous égarer par des paroles creuses. Tout cela attire la colère de Dieu sur ceux qui désobéissent. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Autrefois, vous n'étiez que ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de la lumière. Parole du Seigneur. Enfants de Dieu, vivons dans la lumière. Enfants de Dieu, vivons dans la lumière. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs. Ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira,
Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Enfants de Dieu, vivons dans la lumière. S'appuie sur toi, Seigneur, toi qui délies les enchaînés et redresse les accablés. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Il y avait là une femme possédée par un esprit mauvais qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il interpella, « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se trouva toute droite et elle rendait gloire à Dieu. Le chef de la synagogue fut indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat. Il prit la parole pour dire à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Esprit faux que vous êtes, n'est-il pas vrai que le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Et cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée il y a 18 ans, n'est-il pas vrai que le jour du sabbat, il fallait la délivrer de ce lien ? » Ces paroles de Jésus couvraient de honte tous ses adversaires, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices du réseau de télévision Sel et Lumière, la femme que l'on voit parmi les gens qui se presse à la synagogue, l'Évangile vient de nous le dire, elle est malade. Elle ne peut pas relever la tête, ni se redresser comme le font tous les êtres libres. Elle est toute courbée, possédée par un esprit mauvais, comme nous le signale l'évangéliste Luc. Jésus, la voyant dans cet état, a choisi de la libérer sans attendre
une demande de sa part ou un acte de collaboration. Jésus voit cette femme réduite dans sa liberté et dans sa dignité. Il l'interpelle aussitôt pour lui signifier sa guérison avant même de lui imposer les mains. Il lui dit, « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Jésus alors lui impose les mains et à l'instant même, elle se trouve toute droite. Le passé divin, comme l'appellent les exégètes, montre que Dieu en personne agit souverainement. La femme, d'ailleurs, ne s'y trompe pas. Cette guérison inhabituelle dans l'Évangile trouve ainsi une conclusion hors norme. La femme reconnaît spontanément l'auteur de sa guérison. L'évangéliste dit, elle rendait gloire à Dieu. Par contre, on voit une autre réaction. Le chef de la synagogue, lui, est indigné parce que Jésus a fait ce miracle le jour du sabbat. Jésus, le Sauveur, affirme, il fallait la délivrer de ce lien. Le jour du sabbat est prescrit à Israël pour qu'il fasse mémoire du salut, car jadis le Seigneur l'a délivré de l'esclavage de Pharaon. Jésus se révélant prophète, puisqu'il sait depuis combien de temps la femme est malade, invite à se placer sur ce plan de lecture. Le dessein de Dieu est de nous sauver de l'esclavage du péché. La femme courbant sous le joug de l'esclavage nous représente tous. Elle est, en quelque sorte, une figure de l'humanité. Cette guérison nécessaire montre que Jésus a l'initiative et le pouvoir de nous rendre notre liberté et notre dignité. Voilà le sens de son geste. Et c'est pourquoi il fallait le faire le jour du sabbat qui, justement, nous remet en mémoire au peuple juif la libération de l'esclavage de l'Égypte. Rendons grâce à Dieu pour nous aujourd'hui de cette bonne nouvelle qui nous est donnée et vivons comme des fils et des filles de la lumière, libérés, comme nous y invite saint Paul, libérés de nos tendances mauvaises, puisque Dieu est avec nous. Et comme on le chantait au psaume, disons, chantons ensemble, « Enfants de Dieu, vivons dans la lumière et imitons Dieu en étant nous-mêmes pleins de générosité et d'amour. Amen. » Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour le Christ, lumière née de la lumière, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toute chose te célèbre, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de M. et Mme Henri Jacques, messe recommandée par M. Roland Jacques. Souviens-toi aussi de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à chacun et chacune d'entre vous une bonne journée sous la protection de Saint-Joseph et de Saint-Frère André. Éclairés par la grâce de cette Eucharistie, soyez lumière pour ceux et celles qui vous entourent. Allez dans la paix et la joie du Christ.